Du coup, on va prendre type de corps. Bah, on va prendre ce type de corps. Hein. Je suis seul, tu peux tutoyer XD. On sait jamais, hein. On sait jamais. Peut-être qu'il y a des voix, des viewers de l'ombre. Hein. Pré-réglage, c'est quoi? Ah, ok. Et ça, c'est quoi? C'est un truc aléatoire, genre. Ok, bon, on va partir sur ça pour la tournée. LTRT, ok. Ça va être assez long. Timbre de voix, féminin, Moi, c'est V. masculin. Moi, c'est V. Ok, on va garder la voix féminine. Est-ce que ça va niveau son ou pas? Quand je change. Moi, c'est V. Moi, c'est V. Je sais pas. Teint de peau. C'est quoi ça? On peut choisir carrément ici. Je sais pas, ça, j'ai l'impression que ça me semble bizarre, en tout cas, je sais pas. Je pense que c'est les. C'est le truc qu'elle a sur la gueule. Type de peau. Non. Ça va être trop long, création de personnage. On va voir avec le reste déjà. Peut-être que je reviendrai sur les trucs après. Du coup, on a fait type de peau, teinte de peau. Teinte de peau, type de peau, cheveux. Alors là, c'est la coiffure. Tu peux légèrement monter le son du jeu, on t'entend trop. Je pourrais après peut-être. Là, je crois que je peux pas pour l'instant. Vu que je suis dans le truc de création de personnage. Après, je peux baisser le son de ma voix aussi. Attends, je vais juste voir un truc. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais je ferai après la création de personnage, pour l'instant, c'est pas important. Alors, de toute façon, tu me diras après quand tu auras les cinématiques. Alors, une coiffure de cheveux, y a quoi? Y a pas une queue de cheval ou un truc comme ça. J'ai du mal à me faire avec les touches pour l'instant. Il doit probablement y en avoir une. C'est vrai que la personnalisation est pas non plus hyper poussée, quoi. C'était quoi cette coiffure? Ça peut être pas mal. Oula, j'ai du mal parce que j'ai envie de tourner avec le joystick et je fais n'importe quoi du coup. Non, c'est pas ouf. C'est pas pratique en fait de tourner avec les trucs de derrière. En vrai, je sais pas. On est à combien? 21. Ouais, il y en a plein de coiffures en vrai. 25, 26, 27. Ah, non, c'est pas ouf comme ça en vrai, non. Ah, après, c'est peut-être la couleur aussi hein, qui fait. Ouais, non, c'est pas ouf. Le petit truc derrière dégradé. C'est pas ouf. Il n'y a vraiment pas une coupe sur laquelle je flash. Hop, oh, peut-être celle-là. Je sais pas. Allez, 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 là. On est retourné au début. Oh, je sais pas. Il y a quoi comme coiffure qui pourrait aller, les gars, là? Enfin, Clara, la seule viewveuse aujourd'hui. Il y a quoi comme coiffure qui pourrait aller? En plus, je posterai la vidéo sur YouTube, donc. Bah voilà, les gens sauront que Clara, c'est ma seule viewveuse. Alors, une coiffure aux cheveux longs, déjà, je pense. Et la seule queue de cheval qu'il y avait, c'était le truc dégradé, quoi. Après, c'est des coiffures cyberpunk, hein, les gars, donc. C'est des coiffures futures, quoi. Elles sont toutes dégradées comme ça, vous voyez, c'est ça qui est chiant. Je kiffe pas trop ce truc-là derrière. Donc faut voir. Peut-être je vais prendre ça. Couleur des cheveux, on va se calmer. Parce que là c'est pas ouf. Il n'y a pas une couleur blonde. C'est quoi cette couleur là? Attends, il y a un problème là. Ouais, là c'est peut-être une couleur un peu blonde, bizarre, verte, non? Et j'arrive pas à me. C'est pas. Ouais, c'est pas ouf. Sinon, on met rouge, hein, pire. Mais la brune, sinon brune. Mais il y a toujours deux couleurs, j'ai l'impression. Il y a comme ça, un peu, vous savez, un peu. Ça fait un peu roux, un peu. Ouais. Ça, c'est blond, sinon. Au pire, c'est quoi? Attends. De toute
façon, je reviendrai après sur la coiffure et tout. Juste, j'ai envie de changer un peu sa gueule, quoi. Est-ce que je peux la changer plus que ça? Est-ce que c'est parce que j'ai pris ce type de pré-réglage? Couleur des yeux. Il y a plusieurs. J'ai envie de mettre des couleurs bleues. Il y a plusieurs types. Oula. Ouais, je pense que ceux-là c'est mieux. Il y a ceux-là, ils sont plus foncés. Ceux-là sont plus clairs, je pense qu'ils sont mieux. Châtain, rouet, laisse au pire, balègue, bleu, c'est beau bleu. Ouais, c'est beau bleu. Le nez. Le nez. Donc il y a le nez de base, c'est celui-là. Le nez, j'arrive jamais à choisir dans les jeux parce que. Je sais pas, j'ai l'impression ça. Je sais pas. J'arrive pas à me décider. Là, il est un peu aplati, non, je sais pas. Ah, comme ça, il est pas mal. Je sais pas, non, il est un peu fin. Comme ça, peut-être. Un peu trop pointu, je sais pas, non, il est bien là. Nez de base, tu veux mettre le nez de base? Oh, le gros nez. Ça, c'est mon nez, les gars. Non, je rigole. Ça, c'est bien. De quoi, celui que j'avais mis, c'était lequel? Le 6. Ouais, c'était le nez 6. Il y a le nez 6. Le nez 8 aussi, il a l'air un peu plus grand que le nez 6, mais il y ressemble. Qu'est-ce que je fais? Je touche à tout, j'arrive pas. Et les gars, la personnalisation, ça va durer 3 jours. 100? Ah, mais je suis dans les sourcils, merde! Qu'est-ce que je branle? Chaque chose en son temps. Ah, mais j'ai pas fait. Ah, mais j'ai pas fait les sourcils, je suis con. Je suis passé au nez, j'ai pas fait les sourcils. Nez, du coup, ouais, je mettrais 6, je pense, voilà. Et sourcils, j'aimerais des sourcils quand même. Assez grands, quand même, non? Là, comme ça peut être bien. Merde, j'ai du mal, hein. Et de couleur assez foncée, ça fait un peu fausse blonde, je kiffe bien, tu vois, avec sourcils noirs, cheveux blonds. Après, je verrai, peut-être je vais complètement changer les tout après, hein. Peut-être après, elle sera rousse avec... c'est juste pour tester et faire un truc assez convenable. Attends, mais est-ce que c'est noir, là, ça fait... J'ai l'impression que c'est bleu. Non, c'est ça, c'est noir, hein. Sourcils... 100. Après, sourcils comme ça, tu vois, j'ai l'impression qu'on n'a pas tant de choix que ça. 7, c'est peut-être pas mal. 7 ou 8. 7 ou 8. Merde, jamais je veux la tourner, je fais n'importe quoi. J'ai du mal. Faut se concentrer. Ça fait longtemps que j'ai pas stream. Hein. Merde, qu'est-ce que je fais? Ça fait longtemps que j'ai pas stream. J'étais malade, j'avais mal à la gorge, comme on l'a entendu dans le dernier live. Du coup, j'ai... ouais, 8. Ok. Ok, je mets 8. La bouche. Très long, de quoi? C'est très long. Bah, c'est normal, hein. Faut faire un bon perso. 1, c'était pas mal en vrai. Je sais pas, on va voir. Donc il y a la bouche 1. 2, elle est un peu enfoncée. 3. 4. Je vois, j'arrive pas trop à voir d'adif des fois. 5, 7, 6, 7, 8. Ah, mon absence était long. Mais après, je pouvais pas faire de live parce que si j'avais peur de recasser ma voix. Moi bon, là, je suis pas complètement guéri. Hein. Je tousse et tout. Voilà. Mais bon. Sinon je fais plus rien quoi. Ah, j'arrive pas à me décider. En vrai 3 c'est pas mal. Mâchoire. Non. J'aimerais qu'elle soit fine quand même. Est-ce que c'est possible? Visage, un visage fin. Y a pas un visage fin? Ça va à peu près là, attendez. Bon, on va voir. De quoi 7? 16, c'est bien. C'était quoi 16? De quoi pour la bouche, tu voulais que je mette 7? Ouais, 16, ça me semblait bien. Et par rapport à la 1, je vais voir la différence. Une, c'est bien aussi, hein. Pire, je reste une. 7 la bouche, vas-y, je vais tester. Oh, je sais pas. Hein. C'est bizarre un peu. Là, la bouche du haut, un peu basse. Un peu petite. En vrai, depuis tout à l'heure, je fais des trucs, je change rien. Genre, mâchoire, je laisse 1, bouche 1. Mais attends, mâchoire, j'ai l'impression qu'on a de la mâchoire quand même. Hein. 3, sinon, 3, ça peut être pas mal. Hein.
Ouais, 3 c'est pas mal, ça fait un peu plus V. Oreille, balai qu'on voit pas. Ah ouais, c'est vrai, on voit rien, merde. Merde. C'est bon, on voit rien, putain. Cicatrice visage, sang, mais elle a quoi sur la gueule alors? Ah, c'est le matériel cybernétique. Parce qu'on est à moitié robot, à moitié. En fait, en gros, on est comme des cyborgs. Vous voyez, on est des humains modifiés, quoi. Ouais, ce serait mieux un truc qui soit pas sur le visage, non? Par contre, c'est normal que je le vois pas, le matériel cybernétique en bas, là? On peut pas dézoomer? Là, c'est pas ouf. Hein. Là, il est où? 100? Ben, je mets 100 au pire. Je mets 100. Comme ça se voit pas. C'est cool. Tatouage au visage, 100. Je suis pas trop fan de tatouage sur la gueule. Piercing, 100. Non, il y en a un, je crois, non? Il est où? Mais j'ai envie de mettre 100. De toute façon, je crois qu'on peut peut-être changer ça plus tard. La dentition. Non. Non. On va garder le truc de base. Hein. Maquillage des yeux. Il n'y a pas de maquillage là, pourtant. Là, j'ai l'impression qu'on peut me maquiller. Maquillage des yeux, il y a ça. Il n'y a pas juste genre du crayon et. Bah, je vais mettre 100 au pire. Je pense qu'il y a un peu de crayon là et de. Du eyeliner, je sais pas, mais. Genre, c'est discret quoi. C'est discret, c'est cool. Parce que maquillage des yeux, le 1, ça passe, mais c'est un peu. Je sais pas. Discret, c'est bien comme ça. Rouge à lèvres, 100. À voir. Vas-y, déjà, j'ai envie de mettre une couleur parce que noir. Vas-y. Comme ça, comme ça. Ouais. Juste tester. Ça fait un peu trop, j'ai l'impression, en fait. C'est pas assez discret, ça aussi. Peut-être comme ça. Non, là non plus. On dirait que. J'ai l'impression que c'est trop fort. Tu vois, c'est trop. Ouais, il est éclaté le rouge à lèvres. On dirait une sous-marque. Maquillage des joues. Mais j'aimerais lui enlever tout ce qu'elle a sur la gueule aussi, quoi. Ah, c'est ça, mais c'est ça, justement. Ah, on peut lui mettre un. Couleur maquillage des joues. On peut mettre un petit truc discret. Ah, on peut choisir directement là. Ah, mais y a que trois trucs. Depuis tout à l'heure, je suis en train de tourner. Soit je mets ça, soit je mets rien. Maquillage des joues. Soit je mets ça, soit je mets rien. En vrai, ça peut, je sais pas. Ça peut passer, je sais pas. Trop foncé. Rien, je mets rien. Ok. Comment je mets rien? C'est là. Après les autres maquillages, c'est ouais, non. Sans, les graines de beauté, on peut régler ça parce qu'elle en a 36 au visage. J'ai jamais vu ça. Boutons. Ah, c'est les boutons. C'est des boutons, ça? Ah, ils appellent ça des boutons, en fait. Ok. Elle en a un à côté de la lèvre, comme ça. C'est stylé, un petit grain de beauté. Ongles. Ah, on peut faire les ongles. Courts, longs. Alors, attention. Est-ce que je risque de me faire ban, les gars, ou pas? Est-ce que je risque de me faire ban? Parce que j'ai vu qu'il y a des streamers, ils peuvent mettre un truc, c'est-à-dire pour cacher, mais moi j'ai pas vu ça, on m'a pas demandé. Bon, c'est pas grave, les gars. On regarde les ongles, on regarde pas autre chose. Alors, un peu long quand même. Hein? Long. Couleur des ongles. Moi je vais mettre. J'aime un rouge. Voilà. Pas mal. Poitrine. Après c'est un peu trop. Hein. Ouais, je garde la normale par défaut. Nickel les ongles. La poitrine nickel aussi ou pas? Téton. On peut pas voir de plus près parce que je vois pas trop. Le 2 c'est bien, après c'est trop, je sais pas. Oh, putain. Et ça va faire polémique. Hein. Ou alors je laisse par défaut. Tu sais quoi? Tatouage sur le corps, 100. Cicatrice sur le corps, 100. Organes génitaux, 100. Ah, c'est pour un vagin ou pénis. Non, pas de pénis, hein, on est une femme là. Vagin. Taille du pénis, on s'en fout. Parce que j'ai un vagin. Enfin, mon personnage, les gars, mon personnage, hein, qu'on se trompe pas. Hein. Oh, Clara, s'il y avait eu tous mes viewers, là, ça aurait été drôle. Hein. Ça aurait été drôle le stream. Bon, j'essaie de passer vite parce que je suis un peu en sueur. J'ai peur de me faire ban. J'ai pas envie de me faire ban Twitch. Parce qu'après, bah, les gars, il y aura que du YouTube du coup. Je pense que sur YouTube, ça pose pas de problème. Hein. Y a déjà des vidéos. Mais en fait, Clara, dans ce jeu, ce qui. Enfin, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire absolument ce que tu veux. Tu peux faire un mec avec un vagin, avec un pénis, ce que tu veux. Par contre, on peut pas régler la corpulence, c'est-à-dire on peut pas la faire fine, grosse, c'est-à-dire plus petit cul et tout. On peut pas vraiment. Alors que dans un autre jeu, genre Saints Row par exemple, on peut régler tout ça.
Alors, style des poils plus bien. Bon, je vais laisser comme ça. Hein. Alors, du coup, visage, est-ce qu'on change des trucs ou on la laisse comme ça? Est-ce qu'on change des trucs? Type de peau, c'était quoi ça? Alors, type de peau, maintenant je peux voir. Puisque. J'ai l'impression que le type de peau que j'avais pris était pas mal. Hein. Peut-être la teinte de peau? Ça fait un peu plus bronzé, ça fait un peu plus blanc. Un peu plus bronzé, je pense, ça peut être pas mal comme ça. Type de peau, ça va. Cheveux, on peut voir du coup si on change. Ah, il y a cette coupe aussi qui a l'air pas mal en vrai. Cette coiffure, elle est pas mal. Hein. Celle-là, oh, je sais pas, j'hésite. Elles se ressemblent les deux. Donc celle-là, elle est plus. Celle-là est plus bombée. Celle-là est plus bombée en termes de coupe de cheveux. Mais l'autre est plus longue, j'ai l'impression. 31, elle est bien. Ok. Les yeux. Est-ce que je garde un? J'ai l'impression de pas avoir fait les yeux. Non, j'ai pas fait les yeux. Deux, c'est pas mal. Attends, je regarde. J'ai pas fait les yeux, je crois. Oula, elle a un problème là. Elle a un problème là. Elle est trisomique un peu. Enfin, excusez-moi, mais. Il y a un petit souci quoi. Je pense que je vais mettre deux. Hein, parce que les autres, elle louche. Ou alors, c'est peut-être le jeu qui est comme ça. Mais j'ai l'impression qu'elle bigle avec tous les yeux, regarde. Je te jure, j'ai l'impression qu'elle bigle partout. Elle est bigleuse, elle louche. Ouais, deux, c'était pas mal. Il y avait un, elle a l'air trop vénère, genre fatiguée. Et deux, ça va, ça a l'air pas mal. Donc couleur, on garde ça. Sourcil, on garde ça. La bouche, est-ce que je garde ça? J'ai un truc qui me dérange. Est-ce que c'est la mâchoire? Non. Attends. Le let's play va être très long. Mais surtout que le personnage, en plus, après, on est en première personne, c'est-à-dire qu'on le voit dans les miroirs ou dans le menu de l'inventaire. Donc, en vrai, je me prends la tête pour un 14, il avait l'air pas mal. Mais un peu trop carré, non? J'avais mis quoi au début? 1? Non. J'avais mis 3. 3 et bouche. Là, elle a l'air bizarre. Moi, je crois que je vais garder comme ça en vrai. Je crois qu'on va garder comme ça. Je crois que ça va le faire. De toute façon, on pourra modifier certains trucs. Hein. Ah, Night City, l'apparence fait tout. Je pense qu'on. Ouais. On va rester comme ça. Hein. Pas de maquillage, pas de rouge à lèvres. On pourra de toute façon modifier les trucs après, hein, je pense. On peut tout le temps se modifier dans un monde cyberpunk. Let's go. Donc on fait suivant maintenant. Alors, points disponibles. Alors là, c'est des. Ok. Choisissez les principaux attributs de base avec lesquels vous souhaitez commencer. C'est donc ça, la femme de tes rêves. Ouais, à peu près, à peu près. Bah, c'est Popo, la femme de mes rêves. Clara, donc ne dites. J'ai pas le droit de dire ça, ne dites pas ça. Elle est pas pudique, MDR. Ouais, elle est pas pudique. Bah, j'espère quand même que je vais commencer le jeu habillé, hein. Elle a pas froid. J'espère que je vais commencer. On va la mettre de dos, hein. Ça te dérange pas. Parce que je risque de me faire ban pour. Non, c'est un jeu. Hein. Alors, c'est pas un vrai truc, hein, c'est une image, hein, on joue aux Sims. Alors. La constitution, elle détermine la force physique brute. Vous permettez de forcer les portes à partir du niveau 3, chaque niveau de constitution. Augmente votre santé de 5 points. Ok, donc on va lui mettre un peu de tout, je pense. Hein? Intelligence augmente la capacité en mémoire vite de votre cyberconsole de 4% moins les dégâts de votre piratage rapide de 0,5. Réflexe augmente votre esquive passive. Esquive, ça peut être pas mal. Capacité technique. Votre capacité indique la maîtrise des technologies vous permet de déverrouiller les portes, utiliser les armes techniques. Ok, sang-froid. On va l'augmenter quand même un peu ça. Les dégâts critiques qu'on inflige de 1%, les résistances, ouais, c'est pas mal. Et le dernier point, je peux le mettre où? Constitution, intelligence, réflexe. Après, je peux quand même enlever, genre, toute constitution, je crois. Ah non, je peux pas. On est obligé d'utiliser les points qu'on nous demande. De toute
façon, le niveau de vos compétences augmente à mesure de vous effectuer des. Ok, donc en fait, c'est parce que c'est un mode RPG, c'est un jeu un peu en genre RPG, c'est-à-dire qu'on a des niveaux et tout ça. Les personnages ont des niveaux aussi, on peut pas s'attaquer à n'importe qui. Si tu mets un personnage d'un niveau plus élevé que toi, tu lui mets une balle dans la tête, ça va pas l'atteindre vraiment, quoi. C'est pas comme dans un GTA où tu mets une balle dans la tête, le mec il meurt instant, tu vois. C'est pas ça. C'est comme un MMORPG, comme les RPG, quoi. Comme un The Witcher, par exemple, puisque c'est par les créateurs de The Witcher. Alors, je sais pas où je mets mon dernier point. Peut-être l'intelligence, la constitution. Constitution, ça augmente la force, c'est pas mal, hein. Ouais, vas-y. On va rester comme ça. De toute façon, au début, c'est pas très déterminant, puisqu'après, on augmentera de niveau, on pourra choisir les points. Là, on n'a pas grand-chose. Donc, ça change pas grand-chose. Allez, let's go, suivant. Panneau du bio. Moniteur. En espérant qu'il n'y ait pas de problème, les gars, avec les graphismes et tout ça. On va voir si ça lague pas trop. Sinon, je vais devoir régler ça dans les paramètres. Ok, ben, let's go. Hein, pour comprendre la rue, on dit qu'il faut avoir écrit. Ah, ok. Pseudo, ben, V, elle s'appelle V. Hein. V ou V, je sais plus. Ça dépend de la VF ou la VO. Confirmer, let's go.